Oh les gars, c'est le moment. J'adore les mecs qui veulent juste BF en late game, putain, yes. C'est quoi, regarde. Claqué au sol. Quoi? Il a re-smoke, je pense. Ouais, il a dû se re-smoke. Là-bas, dans la rivière, 34, dans le noir. Ici. Il va être dans le tuyau, 100%. Tuyau. Tout en haut. Oh, allez. Oh, t'es trop fort, mec. Une tête. Tu sais que c'est incroyable ce que tu viens de faire. Hein. Je sais pas, mec, en smoke, tu le touchais, genre. Et submergé par les super creeps, c'est parfait là pour les Vitality B. Et Kirei qui doit flash out, Kirei en énorme danger. Et c'est le troisième inhibiteur pour les Vitality B, Gardoum. Tic tac, l'horloge tourne pour les Misfits. Et c'est la défaite qui va bientôt sonner, ça continue comme ça. La première T4 qui va être agressée, Chips. L'autre a déjà perdu quelques points de vie avec l'équipe. Attention, il va tenter l'engage tout même. La grenade SM sur Seiken qui part tellement loin, il save Seiken. Mais regardez dans la mêlée, leader qui essaie de savoir si ça ne passera pas. Toaster pas en premier kill, la main sur Varel, triple kill. Toaster, on ne s'arrête plus, on va essayer d'enchaîner. Sur Kirei King, lui aussi va trouver Quadra kill. Quadra kill de Toaster. Est-ce qu'on peut enchaîner au point de ta kill? Attention à Néon qui va tenter de s'opposer à la tentative des Vitality B. Il sera trop limité là. Et les Vitality B qui vont s'imposer dans le match de la semaine. C'est un ace pour terminer. Vitality B invaincu dans ce début de Summer Split. Impressionnant, impressionnant les joueurs Vitality B.